La Bouillave sur YouTube. Yo les gars, c'est votre gars sur La Bouillave. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. On va réagir ensemble au pire clip de rap qu'on peut trouver sur YouTube. Et croyez-moi, il y a des trucs qui sont vraiment chauds. Et cette vidéo est sponsorisée par Filmora 11. Vous êtes nombreux à me demander avec quoi débuter pour commencer à faire du montage. Et Filmora 11 est un très bon logiciel pour les débutants et pour ceux qui veulent apprendre à faire du montage facilement. Et donc c'est une toute nouvelle version qui vient de sortir. Maintenant vous pouvez faire des ralentis ou accélérer de manière très facile, ce qui peut rendre votre vidéo plus dynamique et faire aussi des effets visuels uniques. Et je vais vous montrer dès maintenant comment on fait. On vient prendre le clip et le glisser sur la timeline. Ensuite on fait un clic droit et on vient sélectionner l'option vitesse, et on choisit l'option rampe de vitesse. Et là, on vient mettre le curseur vers le haut pour accélérer ou mettre le curseur vers le bas pour ralentir. Et voilà le résultat par exemple sur la vidéo. Et pour ajouter une image clé afin de changer la vitesse, on vient juste sélectionner le moment et on appuie sur le petit plus et ça rajoute une image clé que vous pouvez accélérer ou ralentir. Et aussi ce qui est super pratique, c'est que vous avez déjà des musiques, des vidéos et des images libres de droit qui sont directement intégrées dans le logiciel. Cette fonctionnalité connecte trois sites web, à savoir Unsplash, Giphy et Pixabay. Et donc c'est super facile à intégrer dans votre vidéo ensuite. Vous avez aussi l'effet fond vert qui permet d'enlever l'arrière-plan et de créer des effets spéciaux. Et en plus de ça, vous avez aussi une chaîne Filmora sur YouTube qui vous propose tous les tutos. Là c'est pas un gamin de 11 ans dans sa chambre qui se fait engueuler par sa daronne qui va vous faire le tuto, là c'est vraiment pro. Et si vous avez une question, vous avez sur une vidéo qui y répond. Et donc je vous mets tous les liens dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant on passe tout de suite au pire clip de rap. Let's go! On va commencer directement avec Bloc 51, Barack Obama. Je sais plus pourquoi j'ai choisi ce clip en fait, je m'en rappelle même plus. Si ça se trouve, il y aura rien. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Tony Montana. Attends. Le titre c'est Tony Montana ou c'est Barack Obama? Quel est le... Tony Montana. Ça y est, je me rappelle pourquoi j'avais choisi ce clip. Le clip dans le rayon bonbon. Je sais pas si Tony Montana se rend au rayon bonbon par exemple. Rayon sucrerie. Tony Montana. Tony Montana. Gros. Tu fais la pub pour un commerce ou tu fais un clip de rap frère? Tony Montana. Alors je suis désolé pour la doudoune du mec en rouge, mais elle a pris un coup de cigarette. Là, il y a trop de boulettes, mon gars. Ta doudoune, c'est une Geox, elle est trouée, frère. Le putain, bat les couilles d'avoir la carrière des Beatles. T'auras beau compter sur ton équipe. Il fait quoi? Mais gros, mais ses potes, je sais pas ce qu'ils font. Un coup, ils attrapent des Capri Sun. Ensuite, c'est... Oh, regarde, on a des Mr. Freeze. C'est très très gay, les Mr. Freeze. C'est très gay, ouais. Sa mère. Qui veulent zoomer, je suis pas trop Mikado, mais je tape dans les skinny. Dis qu'on est boosté à toi. Non, mais gros, mais non, mais non, mais non, mais non. Tu sais à quoi ça me fait penser? C'est la vidéo qui tourne sur TikTok là où t'as la meuf qui fait comme ça avec la bouteille de coca, frère. C'est le même truc. Et l'autre, guette, il est en train de faire ses courses, il prend des Panzani à l'aise. Ouais, c'est quoi ça? En fait, il a dit: bon, les gars, je dois faire un clip de rap, j'ai pas le temps. On va aller au Lidl. Je vais faire mes courses en même temps, mais t'inquiète. Clip et course, deux actions là, deux pour le prix d'un. D'une pierre deux coups, voilà. Pierre, terre qui nous fait gémant, ça fournit la cocaïne à des ploucs. Non, c'est pas la cocaïne là, c'est le coca tout court, frère. Je comprends rien, l'autre il prend des chips 3D. J'ai un paquet de Marlboro. Non, t'as un paquet de 3D, frère, il faut pas mentir comme ça. Et le coffret est coffreau, promu, on avance tout seul, pas besoin d'être en... Il y a un book sur un carton, l'autre il danse sur des parpaings. J'ai dit une gonnerie tout à l'heure, j'ai dit c'est une pierre deux coups. Non, c'est une pierre trois coups. C'est je vais faire mes courses, je vais faire un clip et je vais faire un déménagement en même temps. On va passer au prochain parce que là, je commence à péter un câble. Il y a trop de questions de déménagement, courses, Barack Obama, Tony Montana, Barack Montana. Je commence à être perdu, allez, let's go. Alors, bon, ça c'est pas vraiment un clip. Mais les gars, j'ai vu juste les premières secondes. Bon, c'est 2014. Il y en a sûrement qui le connaissent, vous êtes sûrement nombreux à le connaître. Mais ça c'est vraiment une classique, je suis obligé d'y réagir. Mais là, les gars, s'il y en a qui sont sensibles aux trucs gênants, avancez la vidéo. Parce que là, je crois que vous êtes pas prêts. Même moi, je crois que je suis pas prêt à ce qui va se passer là. Bon, je m'appelle Yacine. Alors, je propose de détendre un peu l'atmosphère. Je vais parler de quelque chose. Enfin, je vais me présenter d'une manière un peu différente. Ok. Ok. Déjà, les ok de Orelsan, il est pas du tout convaincu, là. Ok. Genre... En fait, y'a personne qui est convaincu ici. Donc, j'attends un micro. Ouais. Bah, vous l'avez le micro. C'est-à-dire, vous présentez de façon différente, c'est quoi? Je vais me présenter un rap. Et donc, la musique est où? Expliquez-nous. Gros, c'est quoi ce setup, Get? Il a utilisé son téléphone et il y a un bug qui tend un micro. Oh là là, pour avoir l'instru. Gros, c'est trop pour moi. Salut Aurel. J'ai eu pas mal d'idées et au final...
S'il y en a qui se demandaient où est-ce qu'était passé Nicolas Sarkozy, ben voilà, il s'est reconverti dans l'audiovisuel. Je vais la faire en rap pour débiter plus d'informations. Frère, c'est tellement long! C'est trop long! Dépêche-toi qu'on en finisse, j'en peux plus, frère. Je me présente, Yacine, 20 ans, célibataire, taffeur, chargé de com, mais franchement pas rappeur. On avait remarqué que t'étais pas rappeur, frère. Et ne fais plus jamais ça. C'est plus jamais. Amateur de manga comme One Piece, Ranma ou encore Hunter x Hunter. Mais attention, la production pour laquelle... Oh, mais guettez les mouvements de son doigt et tout, là. La meuf, guettez son œil. On voit qu'un seul œil, mais on comprend tout ce qu'elle pense avec juste ce regard-là. Nicolas Sarkozy, par contre... toujours sérieux dans son rôle. Un tout nouveau délire venu tout droit du temple Sakura. Un petit village qui revient un petit peu de Konoha. Il est off-beat et il arrive pas à dire son texte. Où là-bas vivent nos deux héros. Regardez même le mec à gauche, il se fout de sa gueule. Comme nous, on part à l'aventure pour accomplir nos rêves, c'est qui? Ah, il était tout seul. Gros, t'étais tout seul. Comme ça, tout seul. On part à l'aventure pour accomplir nos rêves. Oh, c'est gênant. Vite que ça se termine! T'es qui? Super Soja! Voilà, les gens ils applaudissent avant que ce soit fini, ça veut vraiment dire frérot, c'est bon, casse-toi là, ça fait 20 minutes que t'es là, on n'en peut plus. Okay. Le ok il veut tout dire, c'est genre. T'as voulu faire un truc, mais ne le refais plus. On passe au prochain parce que là je commence à suer. C'est pas Fit Malaga, c'est Fit Balle de Tennis. Non, je suis vraiment un enculé. Si t'as rigolé à ça, tu vas en enfer avec moi. Pardon. C'est pas bien. Et il faut pas. Mais je l'ai fait. Alors, trop de... ouais, j'ai trop de questions. Déjà, pourquoi son pote c'est un gilet jaune? Première question. Deuxième question. Pourquoi il y a un tas de cailloux? Troisième question. Pourquoi t'en as pris un dans ta main et t'as été raccord sur les plans? Get. C'est archi pro. C'est trop pro. Il a le caillou là. Hop, plan d'après, il a encore. C'est trop pro pour moi. Je ne sais pas quoi faire là. Je suis perdu. Voilà. Donc quand t'as harcelé une meuf et que toi t'y arrives pas, envoie ton pote. Comme ça, deux chances, donc deux fois plus de chances de réussir. Alors là, ce plan, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le plan devant les poubelles et devant des retraités, dont une avec le crâne ensanglanté. Même lui, il dit comme ça, non, c'est mort, ce plan, on le garde pas. Il l'a dit au monteur. Alors par contre, on aurait pu se calmer aussi sur le vent. On voit presque plus ses yeux, on dirait Chief Kif. Elle a réussi à le pousser. Non. Arrêtez de rigoler pas. Vous avez pas le droit de rigoler. Clip suivant. Bon les boys, pour le prochain clip, je suis archi désolé, mais je l'ai trouvé que sur Instagram. J'ai pas réussi à le retrouver sur YouTube. Et pourtant, j'ai cherché, hein. Pas trouvé. Il est que sur Instagram, j'ai que ça. Du peu que j'ai vu, c'est légendaire. Vous m'entendez? C'est légendaire. Allez, let's go. 8, c'est 6 à 0. Ici, c'est le tram, pas de métro. Mais c'est toujours nous les kings. Trois jeunes hommes, dont un avec le flow. Le plus gros drip que je n'ai vu depuis des décennies, un t-shirt Carrefour. Maintenant le coca c'est plus chez McDo mais chez Burger King. Grenoble. Ici c'est Grenoble. Oh l'ambiance. Oh l'ambiance. Ah ils sont coulés une douille avant de faire le clip, c'est pas possible pour être aussi lent dans les mouvements. J'ai jamais vu des jeunes hommes de cet âge là être aussi peu dynamiques. J'ai jamais vu ça. Je commence à avoir très très chaud. Je commence à avoir très très chaud les gars. Ici c'est Grenoble. Ici c'est Grenoble. C'est Grenoble. Faut se déhancher. Se déhancher. Combo, grotte, musique chelou, danse chelou. On est sur trois craquettes les gars. En fait, tout à l'heure, ils étaient en redescente. Là, ils ont repris leur crack, en fait, ça y est. Ils ont repris toutes les gueules droits du monde, frère, ça y est. Guette ce que ça donne. Moi, je peux pas croire que c'est pas du troll. C'est impossible que ce soit un truc sérieux. Pour moi, ces trois génies, qu'est-ce qu'ils sont devenus actuellement? Bon, c'est tout ce qu'il y avait sur ce clip, mais je pense que c'est largement suffisant parce que là, mon gars... Pff... Prochaine vidéo, let's go. Déjà, la barre de like-dislike annonce la couleur.
Ouais. Vous êtes pas prêts. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Personne n'est prêt pour ce qui va se passer demain. C'est des billets de Monopoly. Hein. Bloqué dans le 2, on vit ski en 2-2. Efficace à 2-3, on fait gaffe au 22. Moi qui suis la drill, c'est beaucoup. Ouais, poteau, tu grandis très très vite. Tu grandis très très vite. Ton pantalon n'a pas su s'adapter à la longueur de tes jambes. C'est un pantacourt le bail. C'est un pantacourt. Arrive, c'est la guerre. Tu vois nos clips devant ton écran. Tu bandonnais là, on entrera tous dans la légende. Bien sûr qu'on va arriver au sommet. Trop vite pour moi, je comprends pas. Par contre. Ceux qui se demandaient où était passé Hugo Posey, ben il est là. Il est dans le clip en fait. À côté de son pote qui se demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis là, pourquoi c'est mon ami, pourquoi j'ai dit oui à ce clip. Get, il est en train de le juger de fou. Ah gros, moi j'ai le cœur brisé, l'eau, ça en fait seulement cela pour la quichta. Y'a rien de. Même son pote il y croit pas à sa quichta, frère, c'est les sous de Noël qu'il a reçus. Et Hugo Posey toujours là actuellement on le sait pas mais il est en train de dormir. Toujours inconscient, voilà, le regard vide, inconscient, il n'a pas envie d'être là. Personne n'a envie d'être conscient de la scène qui se passe en fait. Mieux que des amitiés en fer, Hugo c'est la vie, on a perdu des frères. Comment ça t'as perdu des frères? T'es un gros menteur toi. On veut des lovés, on va être validé. Tout pour la famille et tout pour les billets. Je vous raconterai pas. Ouais, son pote il a bicraft de fou là. Ça se voit en vrai, il a des gaines de fou. On voit même une goutte de sang sur la manche de son t-shirt ici là. En détail, toujours charbonné pour aller chercher la médaille. Regarde, ils l'ont placé dans le truc là. Ils l'ont dit tu restes là, tu bouges pas. Nous on va aller chercher du matériel, mais tu bouges pas. Hein. Et du coup, il est resté tout seul ici. On voit que sa tête qui dépasse en fait. Get la longueur de son cou. La longueur de son cou égale sa tête. Non, c'est pas bien. Si t'as rigolé, tu vas en enfer. Le million, midi, minuit, tu viscères dans la street pendant que ça débite, ça débite, ça débite. Il a débite. Toujours les mêmes refs, toujours les mêmes saps. Lacoste toute l'année, Hugo, c'est le rap. Lacoste toute l'année, Hugo, c'est le rap. Mais t'es un malade, toi, quoi. Le mec, il est matrixé au cliché. Donc là, je parle, j'en peux plus. Mais on va regarder un autre clip de lui, voilà. Allez, let's go. Toujours des pantalons trop courts. Par contre, il a un bon boule. Voilà. Des belles fesses, bien rebondies. On revient, Hugo, on n'est jamais calé. Good line, mon cœur est complètement scellé. Faut rester déter, ça rendra plus fort. Par contre, un peu plus d'entrain, voilà. Faut de l'énergie, des fois, dans la vie. Être énergique. La bonne humeur. Pillés, ils te la mettront à l'envers pour un billet. Dans la vie des lots, ça y en a trop, c'est chaud. Dans la vie des lobes, ça y en a trop, c'est chaud. Et son pote, mais aucun de ses amis n'a envie d'être conscient de la scène. Il regarde ailleurs. Bob plus masque. Ça veut tout dire. Je veux être anonyme. Bah ouais, qu'est-ce que tu croyais? C'est une battle de regard qu'il fait avec moi là ou quoi? Bah ouais, Hugo, on continue de travailler. On le sait qu'il y a que ça qui va. Pourquoi il fait que des pantacours? Pourquoi il a toujours tes chevilles comme ça? T'as pas froid? On gardera l'oseille et notre humilité. Pourquoi tu doutais de ma crédibilité? Personne n'a douté de ta crédibilité, mec. Personne n'a jamais douté de ta street crédibilité. Personne! Et dans la vie, y'a pas de sang possibilité. Wow, wow, gros, doucement! Qu'est-ce que sa jugulaire, elle va exploser là? Gros, doucement! Gros, il est en souffrance. Il est clairement en souffrance. Il est en train de faire un AVC, le poteau là. Quête, il est en Y! Il est en Y sur le. Et le succès sera mérité, Hugo, tu viens ici mais qui t'a invité. Mais il parle de lui quand il dit que tu viens ici mais personne t'a invité. Parce que je suis pas sûr qu'il habite là, moi les gars. Et viens pas ici, on fait que de la D. Des pensées ténébreuses comme Kobalade. Toujours entouré de mes frères. Ah bon? Ah oui, ils sont nombreux là. J'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un chiffre en tête et c'est le numéro 1. On part tous de rien, on a tous la même fin comme PNL. Oh, il manque des plans, ils l'ont même pas respecté. Il manque des plans, il y a des trucs où c'est noir pendant 2 secondes, c'est pas possible. Ok, je pense que là, on a tout vu. On a fini, je pense que là on va s'arrêter ici parce que ça devient dur à assumer pour moi. J'en ai encore en stock. Si vous voulez un épisode 2, vous me le dites dans les commentaires. En tout cas les gars, c'était un plaisir de vous faire cette vidéo. Je me suis grave amusé, j'ai grave rigolé. N'allez pas insulter les rappeurs, il n'y a aucune insulte. C'est vraiment juste pour s'amuser, pour passer un bon moment. J'encourage tous les artistes à continuer à faire ce qu'ils font, à continuer à entreprendre des choses, à créer des choses. J'encourage vraiment tout le monde et tous ceux qui ont envie de se lancer, lancez-vous. Moi je serai là pour rigoler. Mais je tiens quand même à dire félicitations à tous les artistes d'avoir créé quelque chose. Même que ce soit bon ou mauvais, ils ont fait quelque chose. Et c'est déjà bien comme ça. Que de la force. Et n'oubliez pas qu'il y a le lien de Filmora 11 dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt les gars, prenez soin de vous. Ciao.